Encore un soir, monsieur rentre un peu tard après avoir écumé quelques bars. Il retourne au dortoir, les enfants sont déjà couchés. Madame termine de repasser en regardant la télé et dès qu'elle entend arriver, son cœur s'emballe. Elle commence à trembler, lui céder, bien lui résister. Mais depuis trop longtemps, les caresses ont cessé d'exister. Encore une âme brisée par la lâcheté d'un homme, une mère qui s'était digeste, que l'on pardonne. Encore une larme vite séchée pour préserver les mômes. Encore une femme isolée que l'espoir abandonne. Encore une dispute entre un Mac et sa pute, car avec les clients trop longtemps elle discute rendement. Optimal, assouvir les pulsions incontrôlées du sexe mâle qui sans remords viole ce corps rempli de vie mais presque mort. Dans un ultime effort, au matin elle s'endort, une piqûre dans le bras, des rêves cachés dans les draps. Encore une âme brisée par la lâcheté d'un homme, une mère qui se dédigeste, que l'on pardonne. Encore une larme vite séchée pour préserver les mômes. Encore une femme isolée que l'espoir abandonne. Encore un ange dans le ciel, innocente victime de la justice artificielle. Pourquoi elle, pourquoi ce soir-là dans cette ruelle a-t-elle croisé le regard de ce prédateur sexuel? Encore un ange dans le ciel, innocente victime à qui on a coupé les ailes. Pourquoi elle, si jeune et si belle, à présent son absence est un mal si cruel. Encore une âme brisée par la lâcheté d'un homme, une mère qui se dédigeste, que l'on pardonne. Encore une larme vite séchée pour préserver les mômes. Encore une femme isolée que la vie abandonne, que la vie abandonne. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, le maximum d'applaudissements pour notre ami Emma? Ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas montée sur une scène face à des gens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait bien que je ne dépasse pas trop l'habitude.